Mais il y avait en plus longtemps que je n'avais plus une petite pointe comme ça. Alors c'était très agréable aussi quand vous êtes passé dans le creux du genou. Ça c'était très gai aussi, très très gai. Ça purifie. Merci. J'ai fait la rencontre de quelqu'un, donc voilà, ça c'était important après tout ce que j'avais traversé à ce niveau-là. Le même jour où j'ai signé mon contrat. Si. Le matin, je signais mon contrat et le soir, on s'est trouvés, quoi. Marron ? Oui ? J'aurais besoin d'avoir une recette, un truc sympa, simple, pas compliqué, mais savoureux. Bon, écoute, il y a un truc qui est assez simple à faire, sont les grosses crevettes accompagnées de légumes wok, avec une sauce un peu thaï. Tu peux mettre là-dedans des gros haricots plats. Oui, des mange-tout. Mange-tout, oui. Du brocoli. Bienvenue chez moi. Santé. Merci beaucoup. Santé. Tu reçois chez toi des gens que tu n'as jamais vu, ni Dave Gadan, en fait. Moi, j'ai un ami qui a d'ailleurs... Ça, la grande, il ne veut pas le faire pour ça. Il a peur d'avoir des étrangers chez lui. On lui prenne sa toile de mer. Oui. Où sont tout planqué. Le pauvre. Mais déjà, le concept lui-même et déjà un peu la participation financière demandée. Mais déjà, une petite sélection, entre guillemets. Ouais. Donc, on ne risque pas d'avoir de trop mauvaises surprises, en principe, chez soi, quoi. Il n'y a pas de raison d'enlever ces tableaux et ces petits objets d'art. En fait, toi, tu viens de Chine. Tu es chinoise de Chine. Oui, je suis de Shanghai. Et puis, oui, c'est the ça. Booming city. The lovely... I mean, I cannot say it's lovely, mais c'est extrêmement intéressant. Ouais, c'est ça, c'est la ville en expansion en Chine, hein, et dans le monde aussi, on peut dire presque. Hein. Ouais. The nightlife is the best in the world. Oh, yeah. Really? I know that the nightlife in Dubai is quite amazing. Yeah, but Shanghai is Shanghai. Very, very exciting. Very interesting. Moi, je trouve ce qui est super en Chine, et on n'a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a ce même, en tout cas que ce phénomène avance au même rythme en Russie, mais bon, je sais pas si on peut vraiment comparer les deux pays, c'est que maintenant en Chine, il y a vraiment une classe moyenne qui émerge. Alors qu'en Russie, il y a aussi une classe moyenne, mais qui a plus de difficultés, minuscules, voilà, beaucoup plus difficiles. Bon, j'étais il n'y a pas encore très très longtemps avec une autre jeune femme. Ça collait pas. Et puis bon, mais là maintenant j'ai rencontré cette autre jeune femme. On verra. C'est quoi, c'est pas... une autre que... C'est une autre que... C'est une autre que Nadia, que celle qui s'appelait Nadia. Bon, voilà. Enfin, qui s'appelle toujours Nadia. Et puis voilà quoi. Sur le ventre, d'accord, ça va. Bon. Ouais, je suis très contente hein, qu'on joue quand même une fois. Ouais, j'espère qu'on remettra ça, non? Hein? Oui, maintenant la saison, mais bon. Sinon, il y a toujours des excuses. Ah zut. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Oula. Oula, là. C'est rien. Bon, le crédit et l'assurance, c'était pas mal, mais... Enfin, surtout le crédit, mais c'est vraiment quand même le placement que je préfère. Et puis bon, les perspectives d'évolution sont quand même nettement plus chouettes. Prends ton chariot. C'est dedans. Oui, yes. Bravo. Papa. Hello, j'ai bien fait. Ça va? Ça va? Voilà, oui. Ben, je vais jouer avec maman. Ah, ben, c'est bien. Comment vas-tu? Ça va, mais écoute, voilà. Privilège de jouer voilà, hein. Avec mon fils. Mais écoute, là, je suis en train de prendre un verre avec mon père. De toute façon, tu viens tout à l'heure, hein? 8h30. Ok, ça va, parfait. Ok, je t'embrasse, hein. Bisous, hein, ciao. On essaye à Bruxelles de nous imposer. Hein. De imposer quoi? Le flamand. On essaye au
francophone d'imposer le flamand de plus en plus. À quel niveau? À tout, dans les magasins, dans les restaurants, les affiches, les publicités. À la région wallonne aussi, de choisir Bruxelles et non pas Namur comme capitale de la Wallonie, d'accord? Mais pour un vrai wallon, Bruxelles, c'est la ville des prétentieux, c'est la ville... N'oublie pas que l'électorat wallon est tout de même un électorat qui était très puissant. Et ça, c'est tout de même très, très... C'est resté, c'est toujours très socialiste. Alors, ils veulent rester les petits conspots, les petits copains entre eux. Ah ben oui, mais évidemment... Voir l'histoire de la carole origienne. Tu sais, la maison du peuple, ça ne passe plus à Bruxelles, mais là-bas, tu en as encore tout plein. Hein. Alors, montre-moi ton engin. Ben voilà. Ça, c'est la voiture. C'est ouvert pour rentrer. Ben voilà. Ça, c'est la nouvelle bagnole de fonction. Depuis que je viens de commencer lundi passé. C'est un diesel, ça? Ouais, c'est un diesel. Tu nous fais faire une visite des embouteillages de Bruxelles, mais... des embouteillages de Bruxelles, et puis surtout te montrer les reprises de la voiture. Ou un petit peu ce que la bête a dans le ventre. En tout cas, ça fait maintenant... c'est ma deuxième semaine. Chez Dexia. C'est vraiment sympa, en tout cas, l'équipe est vraiment chouette. Attention. Oui, attends, papa, s'il te plaît, non. Laisse-moi faire. Je fais la manœuvre. Vas-y, allez, on y va. Voilà, maintenant plonge, tiens ton homme. Ne monte pas trop, hein. T'es quand même demi, hein, donc tu dois toujours être en phase défensive sur un joueur. C'est clair que je pouvais pas être rentable après un mois. Mais là, ce que je comprends pas, c'est que... Il y a d'autres raisons, à mon avis. Ce que je comprends pas, c'est que... Je fais 12 rendez-vous. J'ai 12 contacts. Sur les 12 contacts, j'ai 12 réalisations pour moi. Et ils t'ont dit demain Non, même cet après-midi, tu peux partir, quoi. Moi, je trouve cette façon de faire d'une goujaterie sans nom. Mais moi, ma réaction, c'est... Bah, c'est eux qui ont rien compris. Mais bon, moi, je me dis tant pis, quoi. C'est comme ça. Et c'est pas moi qui ai perdu, c'est eux qui ont perdu. Moi, quand je suis passée l'autre jour, je me suis dit que tu n'étais pas à ta place. C'est vrai? J'ai senti... pas une animosité, mais un petit peu. Quand papa vient rapporter les clés de l'appartement, cette connasse au guichet, me téléphone. Oui, écoute, c'est ton père qui est là. Bon, mais maintenant, tu peux descendre. Hein. Comme ça, quoi. Ils se sont sentis snobés, sans doute. J'ai eu une bonne idée de conserver la voiture. Ouais, tu parles, il y a mort. Sixième sens, ça existe. T'as bien fait. Sixième sens a bien fonctionné. Tu mets tout ou bien on en garde un peu? Attends, tu mets un peu à côté, là, j'ai l'impression. Non? Tu as retrouvé ta Golf, maintenant? Ouais. C'est très bien, je dis, j'ai pas de... C'est pas ça le plus important. Non, bien sûr. C'est pas ça le plus important. Et heureusement, elle était toujours là. C'est ce que j'ai dit... Ne la lâche pas. C'est ce que j'ai dit à la responsable des ressources humaines. J'ai dit, écoutez, vous savez, mon moral, il est là. C'est pas Dexia qui va m'amener mon moral là, quoi. Je veux dire... Non, bien sûr, il y a autre chose. Donc, et puis, c'est pas grave. De toute façon, il y aura d'autres opportunités qui se présentent. Enfin, oui, d'accord. Le meilleur est à venir. Oui, mais quoi? Mais moi, je trouve que... Mais c'est pas normal, à la limite, d'avoir un très bon moral après un événement comme ça. Je trouve qu'au contraire, c'est extrêmement destructeur. Oui. Peut-être. Ah. Ça va.
J'imagine que vous cherchez du travail, effectivement. Oui, depuis 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et ce qui s'est passé, c'est qu'après 1 mois, Dexia m'a dit, écoute, on continue pas. J'ai eu 12 contrats qui ont été faits sur 12 rendez-vous. Peut-être aussi je faisais de l'ombre à d'autres personnes. Mm-hmm. Je vois qu'on a une demande de CLCC pour une société dans le domaine de l'électricité. C'est pas un créneau qui vous intéresse trop? Non, l'électricité, pas tellement. Non. Pardon, excusez-moi, on m'appelle. 2 petites secondes. Allô? Ah, ok. Oui, ça va. Est-ce que tu viens le 22? Ah, ok. Mm-hmm. Je comprends. Je comprends. Mais écoute, je te rappellerai pour qu'on aille prendre un verre ensemble à l'occasion. Ça va? Ok, je t'embrasse. Hein. Bisous, ciao. Excusez-moi. Oui, je suis peut-être bien d'état, parce que sinon ça fait... En interview, c'est quand même un peu dépassé. Ouais, non, tout à fait, excusez-moi. Ouais, non, vous avez raison. J'ai encaissé des choses beaucoup plus dures dans mon existence, alors baisser les bras pour ça, non. Weight on heels, elbows together, hold it. Inhale, again slow. Stomach in, that means your depression of your abdominal walls. Charge your body forward to the front and kick your leg towards the back wall. No bent knee. Pull, pull, pull harder, one more time. Slowly, gently, come up. Twist, 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 twist harder. Change. Last year, I broke up with my ex-girlfriend and it was a terrible relationship. A day was in, a day she was out. She loved me not. So more on a personal point of view, at that time, on this part, how can yoga help me? To deal with it and live for the moment. That's what yoga teaches you. Live for the moment. Live for the moment. You can't think, it's gone, it's gone. You have to be positive all the time. And that exactly yoga brings you in you, to be positive. Be happy. You enjoy yourself, you yourself is important in life, nobody else. Okay, thank you very much. Good job. Thank you. My pleasure. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé. J'étais vraiment, je veux dire, à ma place. En 12 rendez-vous, en 12 rendez-vous clients, j'ai fait 11 contrats. Et je pense qu'il y a eu un problème au niveau des associés. Et probablement, peut-être que j'ai dû faire peut-être un peu d'ombre à quelqu'un. Et vous avez senti ça au niveau d'esprit d'équipe ou quelque chose? J'avais senti dès le départ. Aujourd'hui, nous vous avons proposé de parler d'estime de soi et de vie amoureuse. Ma référence de base, c'est l'analyse transactionnelle, puisque c'est mon outil privilégié. Mm-hmm. J'ai aussi une formation de PNL et une formation d'hypnose douce, pas l'hypnose de foire, bien entendu. Et une des règles fondamentales de tout couple, c'est justement de ne pas dévaloriser l'autre et de ne pas entrer dans des insultes et dans de la violence, de savoir reconnaître qu'on est allé trop loin et qu'on efface ça et qu'on revient un petit peu avant. C'est faire... Amende honorable. Voilà, c'est faire amende honorable. Tu as fait des ateliers de... Non, j'ai fait des études, tout simplement. Ouais, d'accord. Faire amende honorable. Okay. Et vous allez vous mettre par deux. Et on va faire un petit atelier d'écoute réciproque. Si on prend la thématique amoureuse, c'est essayer de comprendre aussi ce qui m'a amené à accepter ou pas uniquement à subir, parce que j'ai pas envie d'être dans une vision où je me déresponsabilise des choses, mais qu'est-ce qui m'a amené à accepter tout ce que j'ai subi, en quoi je suis responsable d'avoir subi
Ce que mon ex-compagne m'a fait, c'est probablement les différences qu'il y avait entre elle et moi. Elle voulait terriblement changer, moi je voulais... comment dire... Je voulais l'aider à se sentir mieux. C'est fini. Merci pour ton écoute. Donc, ça c'est moi. Ça, c'est, enfin, moi, je parle pour tous. Hein, enfin, et ça, c'est les autres. Et il y a des choses qui se passent là. Ma zone de responsabilité, ce que je peux changer, c'est quelque chose chez moi. Dès demain, passer plus de temps avec moi-même, que ce soit dans mon appartement ou hors de mon appartement, passer du temps avec les gens que j'aime, mes amis, mes parents. Et puis aussi dire plus facilement encore non et mettre mes limites. A pour commencer, vous okay. prendre votre entrée. Okay. Vous allez à la table N ensuite pour prendre le plat. Et à la table G pour le dessert. Okay. Gigi, Patricia, Gigi, Lucia, salute. Santé. Salute. Je suis ici chez des amis et je me dis, allez, pour une fois que je suis un week-end à Bruxelles, c'est sympa, je vais venir. Et alors, c'est comment que tu viens la soirée célibataire? Tu cherches un nouveau... C'est, l'idée est venue comme ça. En fait, je mangeais avec ma mère l'autre jour. Et j'ai vu ça, et je me suis dit, tiens, bon allez, tu t'inscris quoi. Voilà. Maintenant en Italie, et j'ai l'impression, et peut-être aussi en Belgique, on est adolescent jusqu'à 30 ans. On a eu un film français qui s'appelait Tanguy. Tanguy, le prénom Tanguy. Ben, Tanguy, c'est vraiment le gars, il a presque 30 ans. Et à 30 ans presque, il est toujours chez papa et maman. Toi, tu as toujours peur de perdre ce que toi. Oui, et alors on ne passe pas à l'étape suivante. Quoi. Exactement. Et donc on ne grandit pas. C'est toujours et on reste dans l'enfance. Voilà. Bon, voilà. Il est grand temps de changer de table. Donc vous pouvez prendre votre ticket que vous avez reçu à l'entrée et retrouver votre prochaine étape. Je peux prendre mon numéro de téléphone. J'aimerais bien. La maltraitance vis-à-vis des femmes est quelque chose d'intolérable, d'inexcusable et qu'on ne peut pas passer sous silence. Mais qu'on passe trop sous silence, trop souvent. Un phénomène qu'on ignore et qu'on tait énormément, c'est la violence envers les hommes. Donc les meurtres dans le couple, les hommes tués par des femmes représentent 22% de l'ensemble. Ce genre de comptage ne peut pas tenir compte des suicides d'hommes. Et les hommes se suicident 4 fois plus que les femmes. Non, les hommes se suicident 4 fois plus que les femmes. Et je pense que dans les couples qui s'affrontent, les hommes sont beaucoup plus usés psychologiquement. Et beaucoup, au lieu de tuer leur femme, ils se tuent eux-mêmes. Moi, je me positionne comme militant féministe. Alors, vous voyez que c'est un concept qui est exactement symétrique que celui de féminisme. Hein. Femme, féminisme, homme, féminisme. 15 techniques pour retenir un mec malgré lui, quitte à le jeter après. Ça, c'est sympathique. Vous trouvez des choses comme ça dans des journaux pour enfants plus jeunes encore. Dans Okapi, par exemple. Couverture de capi. Garçons, tous machos, comment les repérer, comment les mater? Ça, c'est sympa aussi. Hein. Excusez-moi, moi, je vais essayer d'être le plus court, même si c'est vrai que j'aurais pas mal de choses à dire. Nous allions vers la cuisine. Je lui ai dit, tout simplement, attends, je vais venir t'aider. Elle m'a dit, pourquoi tu as dit aider? J'ai dit aider, tout simplement, comme j'aurais très bien pu dire autre chose, un autre verbe. Non, tu n'as pas voulu dire ça. En fait, ce que tu as voulu dire par là, c'est que aider, tu te positionnes comme un assistant, comme quelqu'un qui regarde, qui ne prend pas d'initiative. Imagine le jour où nous aurons des enfants. Tu me laisseras les tâches ménagères,
et à toi de jouer, de t'occuper des enfants. Ah oui, une dernière chose, j'ai assisté à la lecture des monologues du vagin et je suis sorti et j'ai interpellé une des femmes politiques et à qui j'ai dit « Mais que faites-vous de la violence envers les hommes ?» Et elle m'a répondu « Sèchement, c'est un phénomène mineur. » Voilà. Rendez-vous, 12 contrats. Là, pour moi, il y a un gap. Là, pour moi, il y a un problème. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Sincèrement, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et c'est la sensation que vous avez eue. On a joué avec les pieds. Au niveau géographique, quelles sont les régions que vous connaissez bien? Bruxelles, Brabant, Wallon. Enfin, Brabant, Wallon, essentiellement Wavre ou Waterloo. À terme, ce que je souhaiterais, c'est dans le développement de ma carrière, c'est pouvoir faire du people management aussi. Mm-hmm. Ok. Pour quelle raison? Parce que j'aime bien... Le travail d'équipe pour moi est essentiel et parce que beaucoup de gens m'ont dit que j'avais une capacité d'entraînement, d'amener des gens avec moi. Okay. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre un troisième cycle en ressources humaines? Des ressources humaines, ben, l'humain, c'est aussi une ressource. Et ça se vend. Mm-hmm. Comme l'intérim, voilà, justement. Ça, c'est des trucs que tu jettes? Non, non, c'est du matériel. Tu veux que je t'aide? Mais ils m'ont dit, écoute, tu nous coûtes trop cher. C'est la BM. Ouais, ça, c'est la BM, c'est clair. C'est vrai que pour moi, le contact humain... Les contacts avec des clients sont vraiment des choses... Oups, ça va? Je dirais presque, à la limite, le banquier doit peut-être trouver aussi un rôle. Allez, peut-être pas en termes de placement, parce que le placement, c'est autre chose, mais peut-être presque un rôle social, apporter non pas uniquement une plus-value, mais aussi, je dirais, voilà, ma contribution à l'élaboration d'un projet de vie. Moi, comment... C'est cette vision sociale, sociale entre guillemets, c'est ce que moi je considère comme l'idéal type. Qu'est-ce que devrait être pour moi la place du banquier? J'apporte ma contribution à la société en aidant un gars, des gens à réaliser un projet de vie, que ce soit l'achat d'une maison ou la mise en place d'une société. Si ton boss t'entendait, il te dirait pas calme ton idéalisme et... Probablement, il m'a dit... il me dirait probablement espèce de petit con... T'es viré. T'es viré, voilà, exactement. T'es viré. Ok, je comprends maintenant. Voilà, t'as compris. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Tout ça. Donc c'est pas que la BM. C'est pas que la BM, exactement. Qui coûte trop cher. C'est pas que la BM, non. Mais bon. Et attends, ça c'était quoi au fait? Ça, c'est des gens qui se sont fait virer. Voilà, c'est bien. Amplifiez maintenant ce que vous avez trouvé. Dès que vous trouvez des choses, amplifiez-les. Et laissez venir le personnage. Mais uniquement au niveau physique, sans y mettre quelque chose d'intellectuel. Maintenant, nous allons passer à une improvisation. Laetitia Arnaud? Effectivement, je suis un jouet entre tes mains. Alors effectivement, mon erreur par rapport à toi. Non, c'est dans ta tête à toi. C'est dans ta tête à toi. Non, c'est toi. Non. C'est ta mère qui me harcèle, c'est pas la mienne, ça va? Non. Tes parents, mais quoi, mes parents? Est-ce qu'ils savent exactement ce que leur fille chérie fait? Mais arrête, tu me harcèles, tu vois que tu me suis, j'en ai marre que tu me suives. T'es tout le temps en train de gnignignignignignign. Un jour t'es gentil, un jour t'es méchant, mais c'est toi qui dois te faire soigner Arnaud. Non, je pense mais pas. Si. Je pense pas. Mais comment veux-tu que moi, je puisse me sentir épanoui et serein avec quelqu'un comme toi? Quelqu'un qui souffle le chaud et le froid constamment.
Ça, à un moment, ça a un peu patiné. Vous reveniez un peu avec les mêmes choses. Faut faire attention à ça aussi. Parfois, c'était un peu trop... Je vais pas utiliser le terme verbeux, parce que ça, c'est péjoratif. On parlait pas un peu trop. Mais voilà. Parfois, c'était un peu trop dans le parler. Ouais. Et il fallait davantage investir, parfois, dans une espèce de ressenti, je dirais. Là, il faut que... Il faut que je sauve la face. Il le fait bien. Il faut que je sauve la face. Lui, tout d'un coup aussi, une idée lumineuse, il se lève, il baisse son pantalon, son calbute, il monte son engin et il dit « Vous voyez, ça, c'est comme la France. Ça fait 9 ans que j'essaye de la redresser. Oh. » T'as une copine avec toi, Arnaud, maintenant? Moi, j'en aurais peut-être une si t'avais pas mis les pieds dans le plat, toi, l'autre jour. Hein. Oui. Tu te souviens? T'étais là ce soir-là, toi? Ah non, elle était pas là. Je peux lui raconter ou pas? Ouais. En fait, on avait été boire un verre, donc, juste après le cours de théâtre, avec des cours, avec des élèves qui étaient dans une autre année, tu vois. Apparemment, ce que j'en savais un petit peu, c'est qu'Arnaud l'aimait bien, quoi, mais bon, voilà. Et puis, il me parle un petit... Je dis à la fille... Enfin, j'appelle Arnaud, et puis je le connais, comme il passe d'une fille à l'autre. Merci. Mais bon, écoute, c'est vrai. Je l'ai surnommé un coup chasse l'autre. Et malencontreusement, je l'ai dit devant la fille. Ouais, super. Et malencontreusement, je l'ai dit devant la fille, quoi. Donc j'ai essayé de rattraper le coup, tu vois, je voyais Arnaud qui devenait blanc en blême. Et j'ai essayé de rattraper le coup, mais bon, apparemment, je suis pas sûre. Est-ce qu'elle a vraiment entendu? Est-ce qu'elle est vraiment... Ouais, à mon avis, ouais, quand même. Vous m'aviez dit... Métier ou secteur. Oui, tout à fait. Donc, secteur, organiser justement des événements, pouvoir être dans le changement permanent, dans des demandes différentes d'un client à l'autre. Oui. Et, entre guillemets, être à l'avant-scène, en fait. Oui. Donc, effectivement, j'avais repris tout ce qui est tourné autour de TV, cinéma, médias. Vous aviez même été jusqu'à parler de reporter, journaliste, présentateur. Éventuellement. Oui. Toujours plutôt face caméra et plutôt l'audiovisuel, pas la presse écrite. Non. C'est vrai que je vous avais parlé du secteur de l'art aussi. Ouais, j'avais oublié de le dire. Ouais. Bon, mais ça, c'est plus quelque chose qui est arrivé récemment parce que je fréquente depuis plusieurs mois des gens qui sont soit des galeristes, soit eux-mêmes des artistes. Être un mentor, vous aviez dit aussi. Oui, ça c'est parce que c'est aussi finalement quelque chose qui est revenu assez souvent. Enfin, c'est un écho que j'ai eu de pas mal de gens. Oui. Que ça pourrait vous correspondre. Oui, ouais. Ouais, en effet. D'accord. Un effet d'entraînement. Générer chez les autres un effet d'entraînement. Oui. Ouais. Hello, good afternoon. Thank you for taking the time to come and see us. I was thinking, well, maybe the grass is probably greener somewhere else, maybe not, but I would like to try and I would like to see what could be the opportunities in the UK. Yeah. Your CV is a little bit too brief for too the brief. UK market. Okay. CVs of up to 3 pages are very normal and quite acceptable. Yeah, up to 3 pages. That the companies are looking for in this country when they're looking at CVs. They're looking for people to say, I carried out between 10 and 12 appointments and converted 100% of those, generating revenue of X. Okay. What employers are looking for is what you can bring to their business. For example, somebody said to me many years ago, I would never employ anybody who played golf. Because they're going to spend the whole time on the golf course, not in my office making money. Okay. Oui, man, salut, c'est Arnaud. Ouais, ça va, j'ai reçu ton appel, hein. Et donc, j'ai eu l'interview là tout à l'heure, hein. C'était bien, c'était sympa. Et disons que ça m'a permis aussi de voir leur manière de rédiger un CV. Ouais, non, vraiment bien. Merci.
Non, c'est ce que j'avais au départ, hein, pas plus. Moi, ton sac, on va le mettre dans le. Ouais, ça va. Bonjour, maman. Coucou, ça va? Pas froid? Non, ça va, il fait bon, mais tu sais, Londres, il fait meilleur qu'ici, hein. Oui? Ouais. Alors, ça, c'est ton nouveau. Ouais. Ton achat? Ouais, l'achat à Londres, je me trouvais ça. Pas encore trop excessif, ça allait, puis c'était. Mais j'ai rien à faire. Mets un peu la veste que je vois. Oui, mais je peux mettre ça sur un truc clair, plutôt. Ah non! Moi, j'aime bien avec une chemise. Mais sur un jean, c'est chouette. Mais quoi, tu vas pas le mettre complet? Si, complet, mais parfois avec un jean. Avec le chapeau et l'œillet rouge. Ah, ouais, c'est ça. Mais non, voilà, moi je trouve ça chouette. Il est très chaud, Non, il est bien. Mais enfin, tu vas obligé de rester maigre comme ça. Mais non. Toi, t'as rien à Et puis, non, j'ai acheté juste un polo et un jean, je crois. En fait, bah, avec une chemise, non, c'est joli. Oui, c'est joli, hein. Ouais. Ouais. Oui, bonjour, Arnaud de Gavre, à l'appareil. Oui, ça va bien. Est-ce que... Ben voilà, je vous téléphonais un peu pour faire le point par rapport à la visite de la société. Et puis aussi, voir un petit peu si éventuellement il y avait peut-être d'autres opportunités qui se présentaient, parce que je suis toujours à la recherche pour le moment. Oui. Okay. Et alors, je vous rappellerai, ça va? Et alors, par rapport à l'entretien que j'avais eu dans vos bureaux avec la société... Oui, c'était négatif, hein, la dame trouvait que ça ne collait pas tout à fait avec elle. Bon, elle trouvait qu'il y avait un bon contact et tout ça, mais elle pensait peut-être que dans l'équipe, ça n'allait peut-être pas coller avec tous les gens. Ok. Donc voilà, donc apparemment, c'était plus de ce côté-là. Bien, Linga, on va couper un sifflet. Ouais. On va couper un sifflet, c'est très dur, donc faites attention. C'est méga dur. Mais je vais y arriver. Voilà. Bon, c'est un peu gros, mais... Ouais, c'est bon. Ton prénom, c'est quoi? Carmen, ok. Arnaud, je crois. Enchanté. Qu'est-ce que tu fais, en fait, dans la vie Je suis responsable marketing. Tu sais comment je fais? J'appuie là. Ouais. Et toi, par les cours de cuisine thaï? Par les cours de cuisine thaï, là, pour l'instant, je suis en recherche d'un nouveau job depuis 2 mois. Et vous deux, vous faites quoi? Ben, moi, je suis ingénieure commerciale de Solvay. Ah oui, ok. Et mon épouse, elle termine licence en sciences du travail à l'ULB aussi. Bon, j'ai tout coupé. Tu trouves pas que j'ai coupé ça un peu épais? C'est un peu épais. Pardon? Là, je suis en recherche d'une nouvelle activité professionnelle depuis un mois et demi. Voilà. Quoi, tu cherches un job pour le moment? Je cherche un job, ouais. Dans quel secteur, hein? Moi, je suis à la base, je suis consultant. Et ensuite, je suis passé dans le secteur financier, dans le monde bancaire. Consultant en quoi, toi? Bancaire? Finance, consultant en organisation. En organisation? C'est-à-dire? Analyse de département, ressources humaines, restructuration d'entités. T'as restructuré en fait ton département? Non. Tu t'es restructuré toi-même? Non, je suis vraiment, je dirais, un peu à la... Bon, j'ai 33 ans, je suis un peu une espèce de croisée des chemins, disons professionnellement. Quoi, t'es déjà plus jeune cadre dynamique? Je ne suis plus un jeune débutant, mais je ne suis pas encore un senior confirmé. Je suis un espèce d'entre-deux et c'est cette phase-là qui n'est pas facile. Toi, tu manges la racine? La mordie. Le marché, je pense que le marché du travail est pas mauvais, mais... Voilà, c'est juste pas bon, quoi. Vous avez terminé ou pas? Quasi. Non, pas... Il y a encore du basilic à faire ici, il y a des champignons à faire. Oui. La violence physique est douloureuse, on le ressent dans sa chair, mais la violence psychologique et morale laisse des séquelles à plus long terme. À vie, quasiment. Ouais, à vie. Et ce sont des coups qui prennent plus de temps à se tasser. Oui, tout à fait. Sur ce, il y a autre chose peut-être. Quels sont, d'après vous, les traits de votre personnalité qui risquent de ressortir au travers de ce profil? Vous avez une idée? Quelqu'un de disponible, qui brasse
beaucoup, voire peut-être trop d'idées parfois, qui amène les gens vers, qui amène les gens à lui, drôle, je pense être quelqu'un de drôle, voilà. Tant qu'observateur. Merci à vous. Réunion d'agence. Arnaud, quand vous vous sentez prêt, vous vous lancez, hein. Je relis en 30 secondes encore. Oui, nous stresse, hein. On va se retrouver avec un équivalent temps plein en trop ici à l'agence. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire à ce moment-là? Ça, moi, c'est une question... C'est toi ou moi qui va sauter? Moi, je veux privilégier la mobilité interne avant d'envisager un licenciement sec, parce que ça, c'est quelque chose qui, moi, me... Je comprends, la décision est déjà prise. Non, la décision n'est pas prise. Si je dois pas travailler sur ce client, moi, c'est bien, je rentre plutôt chez moi et puis c'est tout, hein. Oui, mais c'est pas... Attends. Que tu rentres plutôt chez toi, c'est très bien, mais on n'est pas ici... Ici on travaille pas dans l'administration, hein, t'es bien d'accord? J'ai l'air d'avoir travaillé dans l'administration, dit, allez, je suis non, toujours jusqu'à 6h30. T'es une grosse bosseuse, et ça je le reconnais, mais bon, à certains moments, il faut aussi prendre le taureau par les cornes. Si on peut au moins montrer dans le dernier trimestre, si on peut montrer au siège que dans le dernier trimestre, on a mis le paquet, on a fait ce qui était nécessaire pour rattraper le gap, à ce moment-là, c'est très bien. Bon, les petits gars... Oui. On souffle. Vous utilisez beaucoup de mots dans ce genre de situation qui sont vraiment négatifs et qui dramatisent. Dans le rouge, on est dans le négatif. Le mot licenciement. On n'est pas encore dans le licenciement ici. Enfin, c'est pas comme ça que c'est expliqué dans le cas. Donc, doucement. On n'atteint pas bien les objectifs aujourd'hui, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Là, aujourd'hui, on sent clairement que vous n'êtes pas prêt. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a des risques aussi pour nous. Hein. On ne peut pas prendre ce risque aujourd'hui. C'est beaucoup trop... Enfin, c'est trop tôt, c'est clair. Donc, ça, c'est vraiment notre perception. Par contre, nous, on ne veut pas perdre votre candidature. Funk, techno, non, dance, électro, il n'y a pas... Techno, pardon. Mon Dieu, elle a pas 37 ans cette nana, elle en a 50. À voir. Joue. Thelma, non? Sans lui. Ah, Mumarie. Elle a une tête à cette sortie de Saint-Michel, celle-là. On y va. Arnaud.
4 fois une fois, oui. 3. Combien alors je vous dois? 36. Combien? 30. On avait une gratuite. Bon, attendez. Voilà. Ah oui, ça c'est... Dans les yeux, oui, dans les yeux. Dans les yeux. J'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui a envie de passer du temps avec moi. Oui. Simplement. D'avoir passé du temps, mais... Ouais. Comment est-ce que tu peux observer chez l'autre cette envie de passer du temps avec toi? Cette démarche de venir vers moi. Je veux donner, je veux recevoir. Je veux faire découvrir, je veux découvrir. Voilà. Ok. Tu prends une respiration. Et puis tu visualises quelque chose que tu peux faire de manière très concrète. Tu le visualises dans le coin inférieur gauche. Mmh. Comme si c'était sur un petit écran de cinéma. Ouais, je vois. Qu'est-ce que tu vois sur ce petit écran, là? C'est le printemps ou c'est l'été. Peut-être même l'été. C'est l'été. Et... J'ai... Je suis assis dans l'herbe, dans un parc. Et j'ai... Je discute avec une femme. On parle de tout, de rien. Mmh. On est juste content d'être là. Il fait beau. On est simplement heureux d'être là ensemble. Tu fais un pas en avant pour rentrer dans cette journée. Mmh. Je vois cette femme et elle est dans mes bras. Mmh. Contre moi. Sans poser de jugement, c'est que parfois on installe un mécanisme de défense qui ne fait que... qui ne sert qu'à diminuer une peur. Ouais. Mmh. Et souvent, la séduction, certains types de séduction sont de cet ordre. Des séductions très sexuées, par exemple. Par exemple, oui. Mmh. Ok. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Et encore merci de m'avoir reçu. Pas de problème. Pour cette séance individuelle. Merci beaucoup, c'était très chouette en tout cas. Voilà. Tiens, toi aussi, à vous aussi. On aimerait bien te proposer un job. Mm-hmm. Okay. Chez nous. Et on cherche des consultants. En étant tout à fait honnête avec toi, tu démarres de zéro. Ah. Clairement, tu n'as pas l'expérience, donc c'est tout à fait normal. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et là, aujourd'hui, bon, tu avais dit dans une fonction où il y avait une composante people management, ben, ce ne serait pas pour maintenant. Il y a un point que je voudrais quand même rajouter par rapport à ce côté je dois atteindre l'objectif, hein, une ligne droite. Se rajoute en fait le manque de structure. Donc là, ta structure, c'est le point essentiel sur lequel il va falloir vraiment travailler. Et ça, c'est très important parce que ça te permet aussi d'être rigoureux et d'être précis dans ton travail. Ça, je dirais, c'est peut-être un petit point où je suis léger désaccord. Très léger. Mais c'est pas... Alors, il faut être honnête avec toi. La fonction de branch manager pour laquelle tu postulais au départ, on va devoir trouver quelqu'un aujourd'hui, sinon on ne va pas pouvoir lancer ça correctement. Non. Cette fonction-là, là, dans l'immédiat, elle ne sera pas ouverte, je veux dire, plus ouverte. Ouais. Tu vas devoir travailler avec quelqu'un qui va... quitte à trois ans, la prendre peut-être. Voilà. On peut compter avec un nouveau collaborateur, alors. Ah bah oui, je crois que oui. Yes! Oui, je t'ai appelé. Ben voilà, c'est fait. Hein. Ouais, c'est fait. Ah ben oui, évidemment, ça tu parles. Ça tu parles que je suis content. Et... Qu'est-ce que tu dis, maman?
J'ai pas compris. Puis bon, bah, au niveau package, c'est quand même... c'est pas mal. Je dirais que je vais tourner aux alentours plus ou moins net de 2000 euros. Et avec une voiture. Bonjour, une coupe de champagne s'il vous plaît. Allez, Arnaud, santé.